1977 à Genève. Elle est morte noyée en Algérie en 1904, c'est-à-dire elle a seulement 27 ans, 27 ans de vie, et pourtant quelle vie, quelle singulière vie que la sienne. Oui, en effet, c'est Isabelle Ebrhardt, en fait, a connu la célébrité que posthume. C'était une jeune russe avec un passeport tsariste et qui a été élevée à Genève de parents immigrés, qui a été élevée de la plus étrange façon puisqu'elle n'a jamais été à l'école. Son père était son précepteur et elle a, dès son plus jeune âge, mettons vers ses 13, 14, 15 ans, elle a été obsédée par l'islam, le Maghreb, et apprendre la langue, apprendre l'arabe, alors qu'elle parlait déjà 5 langues. Elle était donc très cosmopolite au départ. Et de façon très curieuse, sa famille l'a peut-être involontairement poussée dans ce désir, puisque ses 2 frères, russes également, ont fait fugue sur le premier, s'est échappé et s'est engagé à la Légion étrangère. Et le deuxième... Oui, mais je voudrais qu'on parlera, tout à l'heure des frères, de la famille, qui est le personnage incroyable. Je voudrais que vous me disiez tout de suite pourquoi elle est extraordinaire, cette femme. Elle est extraordinaire parce qu'elle a fait ce que personne n'a fait avant elle et ce que, à ma connaissance, personne n'a fait après elle. Elle est partie seule pour l'Afrique, sans avoir vraiment personne qui pouvait la sauver en cas de maladie, en cas de difficulté. Et elle est partie à la découverte de l'Algérie, et d'une Algérie qui était le contraire de ce que, en général, les écrivains allaient chercher dans les pays du Maghreb. C'est-à-dire, ils allaient chercher un Maghreb mythique, des harems, des palais, de la richesse. Elle a vu l'Algérie au quotidien, elle a suivi la route des caravanes. Je crois que c'est Albert Londres qui dit qu'il y a 2 races d'hommes, ceux qui ont des valises et ceux qui ont des meubles. Eh bien, elle n'avait ni meubles ni valises, elle avait un baluchon. Et elle est partie à la découverte d'un pays qui était occupé, qui était colonialement occupé par les Français. Et elle s'est trouvée tout de suite partagée entre le désir d'aimer ce peuple. Et en même temps, elle n'était pas anti-française et considérait que peut-être la France apportait beaucoup à l'Algérie. Et elle n'a été publiée, elle a commencé à devenir journaliste quand elle a été publiée par un journal bilingue qui n'était pas le plus populaire de l'Algérie, qui s'appelait L'Akhbar. Et elle a commencé là à faire une carrière de journaliste, disons, de journaliste assez limité, spécial, et elle n'a été publiée et n'a connu de gloire que posthume quand ses écrits ont commencé à paraître après sa mort. Mais on voit bien ce qui vous plaît, c'est que c'est une irrégulière, pour reprendre un de vos titres célèbres, et c'est une femme scandaleuse pour l'époque. C'est sûrement une femme scandaleuse, oui, parce qu'on a bien voulu qu'elle le soit. Je crois qu'elle ne m'a intéressée surtout que parce qu'elle était une immigrée, une étrangère, et que cela me paraissait intéressant d'essayer de comprendre comment, d'une jeune fille aventureuse, à force d'en faire une suspecte, on finit par en faire une réprouvée, et que je considérais que c'était un sujet assez actuel, puisque il y a beaucoup d'étrangers. Oui. Et j'ajoute aussi, là je vous cite, « Russe, elle fut le premier écrivain maghrébin d'expression française », ce qui n'est quand même pas rien. Non, absolument. Elle a vraiment été la première à considérer qu'il n'y avait pas de langue plus importante l'une que l'autre, et qu'on pouvait s'exprimer en français, mais à condition de mettre ce français à la disposition des Algériens.